Salut. Du coup, j'ai plongé ma main dans ma bibliothèque, j'en ai tiré trois bouquins. Le premier, c'est Bukowski, Nouveau Conte de la Folie Ordinaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est drôle, déjanté, et que chaque ligne est percutante. Lui qui disait que la littérature devait être une bombe atomique à l'ère du nucléaire. Et en fait, il arrive juste à saisir une certaine de misère humaine dans le LA de son époque, dans lequel il n'arrive pas trop à s'intégrer. Mais c'est totalement fou et je vous le conseille. Le deuxième, c'est William Burroughs, Le Festin Nu. C'est le dernier auteur de la Beat Generation que j'ai découvert. Mais en fait, c'est juste un bouquin qui m'a ouvert le champ des possibles, à moi qui ai écrit, parce que justement, il crée un monde totalement fantasmagorique qui s'adresse d'abord à nos sens et nos émotions, au lieu d'intellectualiser sa pensée. Et ça, c'est certainement dû à l'écriture automatique qu'il avait la pratique d'utiliser, et donc de laisser l'inconscient parler. Le troisième et dernier, c'est Murakami, Kafka sur le rivage, tout simplement parce que j'ai lu quand je faisais un road trip, et c'est sur un road trip au Japon, c'est le destin de deux personnes qui vont se croiser, donc c'est entre le conte philosophique et le récit initiatique, mais je pense surtout que c'est parce que justement, plus je découvrais le bouquin, plus j'avais l'impression qu'il s'adressait directement et qu'il était écrit pour moi parce que ça faisait écho à ma vie, de près ou de loin, et j'ai adoré ce bouquin. Voilà. Et vous, que lisez-vous? Ciao!